Hello, bienvenue de retour sur ma chaîne pour le premier épisode d'une petite série sur mes vacances à Tulum avec mes 5 copains. On a voulu s'échapper de la neige et du blues hivernal pour aller retrouver le soleil mexicain. Ça rime. Ça y est, on est arrivé à Cancun. On a déjà retrouvé un ami. On va réunir là, let's go. Ouais, plus que trois. Et la fiesta va commencer. C'est parti. Oui, les copains. Voici notre bolide pour la semaine. Le bolide. T'as déjà vu une maison comme ça là? Bien arrivé à la villa, room tour express. On a de la place quand même. Bon, comme vous l'avez compris, on est arrivé à Cancun, retrouver nos copains. Et on reste ici pour une semaine. Donc, je vais vous vlogger tout ça. Mais là, ce soir, on est tous très fatigués par le voyage et la chaleur. Donc, on va aller se coucher et je vous retrouve demain pour le début de nos péripéties. Bonne nuit. Bonjour. Allô. On s'est échappé du froid, c'était la meilleure idée de l'année, vraiment. Le petit Cancun là en plein hiver. Du coup, je vous ai rien expliqué du tout hier, mais là on est arrivé dans un Airbnb à Cancun parce qu'on est arrivé un peu tard. Mais en fait, ce n'est pas notre destination finale. On va à Tulum où on a notre vraie villa pour la semaine. Donc là on petit-déj et après on va directement aller à Tulum pour récupérer l'autre Airbnb et on va passer par Cancun en voiture pour le visiter rapidement parce que le truc c'est que c'est quand même pas le Mexique, ça c'est pas hyper safe, donc comme on aura toutes nos affaires et nos valises dans la voiture, on va pas pouvoir s'en éloigner. Voilà. Ok, on est arrivé dans notre villa à Tulum. Est-ce que tu as encore les mots? Parce que moi, c'est incroyable. Villa incroyable. Mais je vais vous faire le room tour parce que là, ça vaut le détour. Attendez juste. Petite vue de ma chambre. Voilà.
Oh putain, il est pas bête, Jules. Julia. Voilà, c'est ça que je veux. C'est bien de bien manger. Oh putain, c'est trop bon. Tu testes la spicy, toi? Vas-y, filme-le. C'est même pas la spicy, c'est la moyenne de spicy. Non mais il tentait au cas où, tu sais. Au cas où, il y aura un quoi. Des bonnes sauces là. Putain, c'est super bon. Ça fait plaisir, mais attends, c'est celle-là la post spicy là. Nous voilà de retour dans notre super villa. On est allé manger dans un petit resto mexicain et on a fait des courses pour toute la semaine, ce qui nous a pris à peu près toute l'après-midi parce qu'on est une petite famille nombreuse. Et là, on est claqué, donc on va chiller à la villa et on n'a pas encore décidé si on restait là ce soir ou si on allait manger au bord de la plage. Bon, on arrive à la fin de ce premier épisode. En arrivant à Tulum avec mes amis, je me suis surtout rappelé pourquoi je fais tout ça. Pourquoi j'étudie, pourquoi j'ai un job étudiant, pourquoi je travaille sur des projets et pourquoi je fais des vidéos sur YouTube. C'est parce que j'ai envie de me donner les moyens de pouvoir faire des voyages comme ça, de faire des rencontres et surtout de me créer de beaux souvenirs et de les capturer pour vous les partager. C'est ça pour moi la liberté et là j'y goûte pendant une petite semaine au Mexique. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.